Bon, ça y est, on est arrivé à Niigata. Donc, on commence par Sakazume, donc un éleveur qu'on allait souvent parce qu'on trouve toujours de très belles choses. Allez, je vous montre ça. Si mon téléphone veut bien retourner la vidéo, et j'ai le choix. Alors là, on vient de faire notre petite sélection de Purashina de Jinmatsuba que vous allez bientôt retrouver. Vous voyez, il y a un petit exemple ici, très joli. Donc là, je vous rappelle, on est chez Sakazume. Hop là. Alors, vous voyez, en fait, vous voyez un petit échantillon de ces koi, par exemple ici. Alors, donc, il nous fait des shiro de souris, des goromo. Hein. Yamabuki, ça c'est souvent ses variétés principales qu'on voit actuellement. Et cette année, des Purashina, qu'on ne voyait pas auparavant. Donc l'éleveur, c'est monsieur, qu'on peut voir ici, en train de vider son bol. Donc la serre, l'élevage, ça représente ces deux serres là, hein, où toutes les coilles sont rassemblées. Donc là, on vient de procéder à notre première sélection dans ce bac ici. On est bien content d'être arrivé à Niigata, hein. Ouais. Donc on va continuer notre petite sélection. Ici, je pense que c'est bon, hein. Ouais. Alors, deuxième étape de notre parcours, on va s'arrêter chez Shinoda. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a choisi. Donc ici, ça va être toujours principalement des Doitsu, Sanke, Kohaku ou bien Showa. Ça évolue très bien au niveau de l'évolution. On est sur des koi qui vont développer beaucoup de noir assez rapidement dans nos eaux dures. Donc c'est pour ça qu'on les préfère avec pas trop de noir, parce que déjà l'évolution va être assez rapide. Allez, je vous montre ça, c'est parti.